ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute. De m'expliquer le baptême de son petit frère, elle n'a pas su. Ça vous étonne? Mais en tout cas, je vais demander quand même à papa et à la maman de s'expliquer. Vous avez demandé ce baptême, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour l'église. Oula. De l'église. Et bien, cette église, seulement? Toutes les églises, faites comme celle-là, là, avec de belles pierres. Certaines sont faites en béton. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de spécial dans le mot église? Hein? Oui, la foi. Eh bien, peut-être on va découvrir un petit peu plus. Alors, maintenant, il me semble qu'il y a la marraine qui a préparé quelque chose. Hein? Brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Loane, c'est avec beaucoup d'émotion et une grande joie que j'ai accepté d'être ta marraine lorsque tes parents me l'ont demandé. Aujourd'hui, à l'occasion de ton baptême, je m'engage à te soutenir dans ta vie chrétienne et à t'accompagner dans chaque étape de ta vie religieuse. En tant que marraine, je serai toujours présente à tes côtés, à chaque moment clé de ta vie et à chaque fois que tu en auras besoin, en t'apportant mon soutien et mon amour. J'ai remarqué deux adjectifs, en tout cas dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé de vie chrétienne, parce qu'avec le baptême, c'est vrai qu'il commence une vie de chrétienne. Et vous avez utilisé l'adjectif religieuse aussi, parce que la vie chrétienne suppose une vie religieuse, sans être forcément une religieuse proprement dite. Voilà. Alors maintenant, je vais tourner vers le parrain. On va rigoler là, tiens. Élodie, Christophe, c'est avec plaisir que j'ai accepté le rôle que vous m'avez confié en étant le parrain de Loane. J'espère remplir au mieux cette mission que vous m'avez confiée. Loane, avec tes parents, je demande à Dieu de t'accueillir parmi ses enfants et de t'entourer de son amour. Merci, madame. Merci. On va applaudir. Alors, ou... il y a un geste que je vais faire déjà à Loane, c'est lui faire le signe spécifique du chrétien. Qu'est-ce que c'est le signe spécifique du chrétien? Signe de quoi? La croix. Eh bien, je vais lui faire le signe de la croix. Et ben voilà, ça t'arrête tout de suite. Je demande aussi à toi, ton papa, de faire le même geste. Et puis la marraine aussi. Et elle est pareille. Et puis voilà, maintenant, marqué du signe de la croix, il peut rentrer dans l'église. Ah, c'est ce qu'on va faire. Thank you.
c'est dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir